Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir Durablement. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours profiter d'une réduction exceptionnelle sur le programme Maigrir avec Hypnose sur le site méthodechataignier.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. Et aujourd'hui, je vais vous parler de votre alimentation, mais aussi de votre vie sexuelle et comment l'améliorer grâce à l'alimentation. Envie de pimenter, stimuler votre relation et votre vie sexuelle avec une alimentation plus saine? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Beaucoup d'aliments liés sur le désir et la performance sexuelle sont anecdotiques. Mais il est vrai qu'une bonne alimentation peut vous aider à stimuler votre libido et à vous aider à rester bien sûr en pleine forme. Une mauvaise alimentation, par contre, peut effectivement vous apporter une foule de problèmes de santé pouvant affecter négativement votre vie sexuelle. Par exemple, l'obésité et le diabète peuvent engendrer un dysfonctionnement érectile. La nourriture fait partie intégrante de notre vie quotidienne et donc de notre santé. Cela ne vous surprendra donc pas de savoir que de bonnes habitudes alimentaires puissent affecter notre vie sexuelle. Changer nos habitudes et nos comportements alimentaires n'est peut-être pas une panacée, mais cela peut être un bon point de départ. Une alimentation équilibrée et la prise de certains compléments alimentaires peuvent aider à améliorer notre santé ainsi que notre vie sexuelle. Le fait de nourrir notre corps avec de bons aliments peut nous aider à améliorer notre humeur et notre niveau d'énergie. Afin de favoriser une relation saine et une vie sexuelle épanouie, pour une santé optimale, optez pour un régime alimentaire riche en nutriments et pauvre en acides gras trans, en acides gras saturés, en sucre ajouté et en sodium. Mangez plutôt des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, des oléagineux et des protéines maigres ou et des bons gras. Pour éviter de prendre de poids, ne consommez pas non plus de sucre raffiné. Concernant les compléments alimentaires, vous avez de l'arginine, également connue sous le nom de L-arginine, qui est un acide aminé utilisé par notre corps pour fabriquer de l'oxyde nitrique. Ce produit chimique important aide vos vaisseaux sanguins à se détendre, ce qui favorise une bonne circulation sanguine. Si vous êtes un homme, une bonne circulation sanguine dans les vaisseaux érectiles de votre pénis est essentielle au maintien de l'érection. Vous pouvez trouver ce acide aminé dans les amandes, le chocolat ou encore dans les concombres. Vous avez aussi le ginkgo biloba, qui est un arbre donneur de monoxyde d'azote. Il augmente nettement la perfusion au niveau du corps caverneux et il rend l'érection plus solide et plus rigide. Vous avez aussi le ginseng, qui à raison de 3 g par jour peut vous aider à avoir de bonnes érections. Pour stimuler votre libido, vous avez deux plantes, la yohimbine et la noix de maca, qui ont une action très importante au niveau du cerveau. Pour booster la testostérone, nous avons l'Avena sitana. Derrière ce nom savant se cache une variété d'avoine qui contient un alcaloïde bon pour l'érection. Cette molécule a une structure qui ressemble à celle de la testostérone. Une posologie de 300 mg par jour améliorerait l'érection. Nous avons aussi le zinc qui joue un rôle important dans la fonction testiculaire puisqu'il booste le taux de testostérone. La dose journalière idéale s'élève à 11 mg. Et vous pouvez trouver du zinc dans les huîtres. La consommation d'alcool peut réduire nos inhibitions et diminuer notre activité sexuelle. De plus, il peut aussi causer des dysfonctionnements érectiles aigus ou chroniques. L'alcool peut aussi conduire à des comportements dangereux. Lorsque vous mélangez sexualité et alcool, vous aurez moins tendance à prendre les précautions qui s'imposent pour éviter les grossesses non désirées et les infections sexuelles transmissibles. Une consommation incontrôlée d'alcool peut également avoir une incidence négative sur votre comportement. Parfois, la nourriture peut être une source de stress et de conflits dans les relations. D'autre part, vous et votre partenaire pouvez créer des liens ensemble pour des repas partagés. D'une certaine manière, votre cerveau est l'organe sexuel le plus important. Le sexe commence par l'affection, l'intimité et le désir. Le repas est le moment idéal pour se détendre avec votre partenaire et créer une intimité dans un cadre détendu et agréable. Parfois, des préférences et des habitudes alimentaires différentes peuvent être une source de stress dans une relation. Pour aider à renforcer l'intimité et la confiance, discutez avec votre partenaire des problèmes liés à votre relation avec la nourriture. Les sources de conflits potentiels incluent les différences culturelles, alimentaires, religieuses, tensions entre les végétariens et les omnivores. Si l'un de vous deux a des antécédents et des troubles de comportement alimentaire ou tendance à faire des régimes, cela peut également influencer sur vos relations avec les aliments et entre vous. Le poids corporel est lié à l'estime de soi et à l'image corporelle pour beaucoup de gens. Si votre partenaire essaie de perdre du poids, aidez-le à atteindre son objectif. Si vous savez qu'il est émotif, offrez-lui un soutien. Critiquer les choix alimentaires ou regarder par-dessus leur épaule pendant qu'il mange ne suscitera pas de bons sentiments. Soyez attentif
pas inquisiteur. De nombreux problèmes de santé liés à l'alimentation peuvent avoir un impact négatif sur la vie sexuelle, ainsi que sur notre qualité de vie. Prenez des mesures pour prévenir et traiter les affections liées à l'alimentation. L'obésité, par exemple, a été liée à la baisse de la fertilité. Le surpoids ou l'obésité peut également nuire à l'estime de soi, ce qui peut affecter la libido et le désir d'intimité. Pour perdre du poids, évitez de manger du sucre raffiné, limitez les aliments riches en mauvaises matières grasses et en sucre ajouté. Faire des exercices régulièrement est également très important. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir répondu à vos interrogations concernant la sexualité et l'alimentation. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de profiter de 50% de réduction sur le programme Maigrir avec l'hypnose sur le site méthodechatelny.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous rencontrer sur nos cabinets sur Gap et Grenoble. Sur rendez-vous bien sûr. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.